Benito Mussolini, La doctrine du fascisme, 1938. Doctrine politique et sociale. Premièrement, le fascisme comme philosophie. Comme toute saine conception politique, le fascisme associe la pensée à l'action. C'est une action animée par une doctrine. Cette doctrine est née d'un système donné de forces historiques auxquelles elle reste intimement liée et qui reçoit d'elle son impulsion intérieure. Il a donc une forme correspondant aux contingences de lieu et de temps, mais il a en même temps un contenu idéal qui l'élève au rang de vérité supérieure dans l'histoire de la pensée. On ne saurait agir spirituellement sur le monde en tant que volonté humaine dominant d'autres volontés, sans une conception de la réalité passagère et particulière sur laquelle il faut agir, et de cette autre réalité permanente et universelle à laquelle la première emprunte son être et sa vie. Pour connaître les hommes, il faut connaître l'homme, il faut connaître la réalité et ses lois. Il n'y a pas de conception de l'État qui ne soit dans le fond une conception de la vie c'est une philosophie ou une intuition, un système d'idées, qui se traduit dans une construction logique ou qui se résume dans une vision ou dans une foi, mais c'est toujours, au moins virtuellement, une conception organique du monde. Deuxièmement, conception spiritualiste. Aussi bien ne comprendrait-on pas le fascisme dans beaucoup de ses manifestations pratiques, soit comme organisation de partis, soit comme système d'éducation, soit comme discipline, si on ne le considérait en fonction de sa conception générale de la vie. Cette conception est spiritualiste. Pour le fascisme, le monde n'est pas ce monde matériel qui apparaît à la surface, où l'homme est un individu isolé de tous les autres, existant en soi et gouverné par une loi naturelle qui, instinctivement, le pousse à vivre une vie de plaisir égoïste et momentanée. Dans ce qu'on appelle l'homme, le fascisme considère la nation et la patrie, les individus et les générations se trouvant unis, dans une même tradition et dans une même mission, par une loi morale qui supprime l'instinct de la vie maintenu dans le cercle étroit du plaisir, pour instaurer dans le devoir une vie supérieure, libérée des limites du temps et de l'espace. Une vie où l'individu, par l'abnégation de lui-même, par le sacrifice de ses intérêts particuliers, par la mort même, réalise cette existence toute spirituelle qui fait sa valeur d'homme. Troisièmement, conception positive de la vie comme lutte. Nous avons là une conception spiritualiste, née de la réaction générale du siècle présent contre le positivisme matérialiste et dégénéré du XIXe siècle. Une telle conception est antipositiviste, mais positive. Ni sceptique, ni agnostique, ni pessimiste, ni passivement optimiste, comme le sont généralement les doctrines, toutes négatives, qui placent le centre de la vie en dehors de l'homme, qui, par sa libre volonté, peut et doit créer son monde. Le fascisme veut que l'homme soit actif et engagé dans l'action, avec toutes ses énergies virilement conscient des difficultés réelles et prêt à les braver. Il conçoit la vie comme une lutte. Il estime qu'il appartient à l'homme de conquérir une vie vraiment digne de lui, en créant avant tout en lui-même l'instrument physique, moral, intellectuel pour la construire. Et cela est vrai pour l'individu lui-même, pour la nation et pour l'humanité. D'où la haute valeur de la culture sous toutes ses formes, art, religion, science, et la très grande importance de l'éducation. D'où également la valeur essentielle du travail, par quoi l'homme triomphe de la nature et crée le monde humain, économique, politique, moral, intellectuel. Quatrièmement, conception morale. Cette conception positive de la vie est évidemment une conception éthique. Elle englobe toute la réalité, aussi bien que l'activité humaine qui la domine. Aucune action n'échappe au jugement moral. Rien au monde ne peut être privé de la valeur qu'ont toutes choses en fonction des fins morales. La vie, par conséquent, telle que la conçoit le fasciste, est grave, austère, religieuse. Elle est vécue tout entière dans un monde que soutiennent les forces morales et responsables de l'esprit. Le fasciste méprise la vie commode. Cinquièmement, conception religieuse. Le fascisme est une conception religieuse qui considère l'homme dans son rapport sublime avec une loi supérieure, avec une volonté objective qui dépasse l'individu comme tel, et l'élève à la dignité de membre conscient d'une société spirituelle. Ceux qui, dans la politique religieuse du régime fasciste, n'ont vu qu'une question de pure opportunité, n'ont pas compris que le fascisme est non seulement un système de gouvernement, mais encore et avant tout un système de pensée. Sixièmement, conception éthique et réaliste. Le fascisme est une conception historique dans laquelle l'homme n'est ce qu'il est qu'en fonction du processus spirituel auquel il concourt, dans le groupe familial et social, dans la nation, et dans l'histoire à laquelle toutes les nations collaborent. D'où la haute valeur de la tradition dans les mémoires, dans la langue, dans les mœurs, dans les lois de la vie sociale. En dehors de l'histoire, l'homme n'est rien. C'est pourquoi le fascisme est contraire à toutes les abstractions individualistes, à base matérialiste, genre XIXe siècle. C'est pourquoi aussi il est contraire à toutes les utopies et à toutes les innovations jacobines. Il ne croit pas à la possibilité du bonheur sur la Terre, comme le voudrait la littérature des économistes du XVIIIe siècle. Aussi repousse-t-il toutes les conceptions téléologiques d'après lesquelles, à un certain moment de l'histoire, le genre humain parviendrait à un stade d'organisation définitive. Une telle doctrine est contraire à l'histoire et à la vie, qui est mouvement incessant et perpétuel de venir. Le fascisme veut politiquement être une doctrine réaliste. Pratiquement, ils n'aspirent à résoudre que les problèmes qui se posent historiquement d'eux-mêmes et qui, d'eux-mêmes, trouvent ou suggèrent leurs solutions. Pour agir sur les hommes, comme sur la nature, il faut entrer dans le cours de la réalité et se rendre maître des forces en action. Septièmement, anti-individualisme et liberté. Anti-individualiste, la conception fasciste est pour l'État et elle est pour l'individu en tant que celui-ci s'harmonise avec l'État, conscience et volonté universelle de l'homme dans son existence historique. Elle est contre le libéralisme classique, né du besoin de réagir contre l'absolutisme et qui a terminé sa fonction historique depuis que l'État est devenu la conscience même et la volonté même du peuple. Le libéralisme niait l'État dans l'intérêt de l'individu. Le fascisme réaffirme l'État comme la véritable réalité de l'individu. Et si la liberté doit être l'attribut de l'homme réel et non du fantoche abstrait auquel pensait le libéralisme individualiste, le fascisme est pour la liberté. Il est pour la seule liberté qui puisse être chose sérieuse, la liberté de l'État et de l'individu dans l'État. En effet, pour le fasciste, tout est dans l'État, et rien d'humain ni de spirituel n'existe et a fortiori n'a de valeur en dehors de l'État. En ce sens, le fascisme est totalitaire et l'État fasciste, synthèse et unité de toute valeur, interprète, développe et domine toute la vie du peuple. Huitièmement, antisocialisme et corporatisme. Ni individus, ni groupe, partis politiques, associations, syndicats, classes, en dehors de l'État. Le fascisme s'oppose donc au socialisme, qui fige le mouvement historique dans la lutte des classes et ignore l'unité de l'État qui fond les classes en une seule réalité économique et morale. Et de même, il est contre le syndicalisme de classe. Mais le fascisme veut que dans l'orbite de l'État, les exigences réelles qui donnèrent naissance au mouvement socialiste et syndicaliste soient reconnues. Et il les fait valoir dans le système corporatif où ses intérêts s'accordent avec l'unité de l'État. Neuvièmement, démocratie et nation. Les individus forment des classes selon les catégories d'intérêts. Ils sont syndiqués selon les diverses activités économiques co-intéressées. Mais ils sont avant tout et surtout l'État. Celui-ci n'est ni le nombre ni la somme des individus formant la majorité d'un peuple. Le fascisme est par là opposé à la démocratie qui assimile le peuple au plus grand nombre d'individus et le rabaisse à ce niveau. Il est cependant la forme la plus pure de la démocratie. Du moins si le peuple est conçu avant qu'il doit l'être, sous l'aspect qualificatif et non quantitatif s'il signifie l'idée la plus puissante parce que la plus morale, la plus cohérente, la plus vraie qui s'incarne dans le peuple comme conscience et volonté d'un petit nombre ou même d'un seul. Tel un idéal qui tend à se réaliser dans la conscience et dans la volonté de tous. De tout ce qui, en vertu de la nature ou de l'histoire, forme techniquement une nation, suivent la même ligne de développement et de formation spirituelle, ont une seule et même conscience et une seule volonté. Il ne s'agit ni de race, ni d'une région géographique déterminée, mais d'un groupement qui se perpétue historiquement. D'une multitude unifiée par une idée qui est une volonté d'existence et de puissance. Idée que nous appellerons aussi conscience de soi, ou personnalité. Dixièmement, conception de l'État. Cette personnalité supérieure s'identifie avec la nation en tant qu'État. Ce n'est pas la nation qui crée l'État, comme dans la vieille conception naturaliste, qui servait de base aux études des publicistes des États nationaux du XIXe siècle. Au contraire, la nation est créée par l'État, qui donne au peuple, conscient de sa propre unité morale, une volonté, et par conséquent une existence effective. Le droit d'une nation à l'indépendance n'est pas fondé sur la conscience littéraire et idéale de sa propre existence, et moins encore sur une situation de fait plus ou moins inconsciente et inerte, mais sur une conscience active, sur une volonté politique agissante et prête à démontrer son droit. C'est-à-dire sur une sorte d'État déjà infiéri. L'État, en tant que volonté éthique universelle, crée le droit. Onzièmement, un État éthique. La nation, en tant qu'État, est une réalité éthique qui existe et vit dans la mesure où elle se développe. Pour elle, s'arrêter, c'est mourir. L'État n'est donc pas seulement une autorité qui gouverne et donne une forme légale et une valeur de vie spirituelle aux volontés individuelles. Il est aussi une puissance qui fait valoir sa volonté à l'extérieur en la faisant reconnaître et respecter, c'est-à-dire en démontrant, par les faits, son universalité dans toutes les manifestations nécessaires de son développement. De là, une organisation et une expansion, au moins virtuelle. L'État peut ainsi être assimilé à la nature de la volonté humaine, qui ne connaît pas de limite à son développement et prouve son infinité en se réalisant. 12. Contenu de l'État L'État fasciste, qui est la forme la plus élevée et la plus puissante de la personnalité, est une force, mais une force spirituelle, une force qui résume toutes les formes de la vie morale et intellectuelle de l'homme. On ne peut donc pas le limiter à de pures fonctions d'ordre et de protection, comme le voulait le libéralisme. Ce n'est pas un simple mécanisme qui limite la sphère des soi-disant libertés individuelles. C'est une forme, une règle intérieure et une discipline de l'être tout entier. Elle pénètre la volonté comme l'intelligence. Son principe, inspiration centrale de la personnalité humaine vivant en communauté civile, pénètre au plus intime de l'individu et dans le cœur de l'homme d'action comme du penseur, de l'artiste comme du savant. C'est l'âme de l'âme. Treizièmement, l'autorité. Au total, le fascisme n'est pas seulement législateur et fondateur d'institutions. Il est aussi éducateur et promoteur de vie spirituelle. Il veut refaire non pas les formes de la vie humaine, mais son contenu. L'homme, le caractère, la foi. Et à cette fin, il veut une discipline et une autorité qui pénètrent dans les esprits. Et y règne sans partage. C'est pourquoi son insigne est le faisceau des licteurs, symbole de l'unité, de la force et de la justice. Chapitre 2 Idée fondamentale. Premièrement, origine de la doctrine. Quand en ce lointain mois de mars 1919, je convoquais à Milan des colonnes du Popolo d'Italia, les survivants de l'intervention qui m'avait suivi, depuis la constitution des faisceaux d'action révolutionnaires, survenus en janvier 1915, aucun plan doctrinal spécifique n'existait dans mon esprit. J'apportais l'expérience vécue d'une seule doctrine, celle du socialisme, de 1903-1904 jusqu'à l'hiver de 1914, c'est-à-dire d'une dizaine d'années environ. Expérience de partisans et de chefs, et non expérience de doctrine. Ma doctrine, même à cette époque, avait été la doctrine de l'action. Une doctrine unique, universellement acceptée, du socialisme n'existait plus depuis 1905, lorsque commença en Allemagne le mouvement révisionniste dirigé par Bernstein et lorsque, par contre, se forma dans le jeu alternatif des tendances, un mouvement de gauche révolutionnaire qui, en Italie, ne sortit jamais du domaine des phrases. Tandis que pour le socialisme russe, ce fut un prélude du bolchevisme. Réformisme, révolutionnarisme, centrisme, les échos même de cette terminologie sont éteints tandis que, dans le grand fleuve du fascisme, vous trouverez les courants de Sorel, de Peggy, de Lagardelle, du mouvement socialiste et de la cohorte des syndicalistes italiens qui, de 1904 à 1914, portèrent une note de nouveauté dans les milieux socialistes de notre pays. Déjà émasculé et chloroformé par la fornication Giolitienne, avec les pages libres d'Olivetti, la Louvre d'Orano, le Devenir social d'Enrico Leone. En 1919, la guerre terminée, le socialisme n'existait déjà plus comme doctrine. Il n'existait qu'à l'état de rancœur et n'avait plus qu'une seule possibilité, surtout en Italie les représailles contre ceux qui avaient voulu la guerre et devaient l'expier. Le Popolo d'Italia portait le sous-titre de Quotidien des combattants et des producteurs. Le mot producteur était déjà l'expression d'une directive spirituelle. Le fascisme ne fut pas le fruit d'une doctrine déjà élaborée en chambre. Il naquit d'un besoin d'action et fut une action. Ce ne fut pas un parti, mais, pendant les deux premières années, un anti-parti et un mouvement. Le nom que je donnais à l'organisation en fixait les caractéristiques. D'ailleurs, ceux qui relieront dans les feuilles maintenant fanées de cette époque le compte-rendu de l'Assemblée de constitution des faisceaux italiens de combat ne trouveront pas une doctrine, mais une série d'esquisses, d'anticipations et d'allusions qui, libérées de la gangue inévitable des contingences, devaient ensuite, après plusieurs années, se développer en une série de positions doctrinales qui firent du fascisme une doctrine politique bien déterminée, par rapport à toutes les autres doctrines passées ou contemporaines. Si la bourgeoisie, disais-je alors, croit trouver en nous des paratonnerres, elle se trompe. Nous devons aller au devant du travail. Nous voulons habituer les classes ouvrières à être capables de diriger, ne fût-ce que pour les convaincre qu'il n'est pas facile de faire marcher une industrie ou un commerce. Nous combattrons le rétrogradisme technique et spirituel. Si la succession du régime s'ouvre, nous ne devons pas être pris au dépourvu. Nous devons courir. Et si le régime disparaît, c'est nous qui devrons prendre sa place. Le droit de succession nous appartient, parce que c'est nous qui avons poussé le pays à la guerre et l'avons conduit à la victoire. La représentation politique actuelle ne peut nous suffire. Nous voulons une représentation directe de tous les intérêts on pourrait objecter à ce programme que nous revenons aux corporations. Qu'importe. Je voudrais donc que l'Assemblée acceptât les revendications du syndicalisme national au point de vue économique. N'est-il pas singulier que dès la première journée de la place Sans croix retentisse le mot corporation qui devait au cours de la Révolution signifier une des créations législatives et sociales fondamentales du régime Deuxièmement, Développement. Les années qui précédèrent la marche sur Rome furent des années pendant lesquelles les nécessités de l'action ne permettaient ni des recherches, ni des élaborations doctrinales complètes. On bataillait dans les villes et dans les villages. On discutait, mais ce qui était plus sacré et plus important, on mourait. On savait mourir. La doctrine, toute faite, divisée en chapitres et en paragraphes avec assaisonnement des lucubrations, pouvait manquer. Mais pour y suppléer, il y avait quelque chose de plus décisif, la foi. Toutefois, ceux dont la mémoire puise dans les livres, les articles, les votes des congrès, les discours grands et petits, ceux qui savent chercher et choisir, verront que les fondements de la doctrine furent jetés alors que la bataille faisait rage. C'est précisément au cours de ces années que la pensée fasciste s'arme, s'affine, s'organise. Les problèmes de l'individu et de l'État, les problèmes de l'autorité et de la liberté, les problèmes politiques et sociaux, et ceux plus spécifiquement nationaux, la lutte contre les doctrines libérales, démocratiques, socialistes, maçonniques, contre celles du Parti catholique populaire, furent menées en même temps que les expéditions punitives. Mais comme le système manquait, les adversaires du fascisme lui nièrent, en mauvaise foi, toute capacité de doctrine alors que la doctrine naissait, tumultueusement il est vrai, tout d'abord sous l'aspect d'une négation violente et dogmatique, comme il arrive pour toutes les idées qui commencent, puis sous l'aspect positif d'une construction, qui trouvait successivement au cours des années 1926, 1927 et 1928, sa réalisation dans les lois et dans les institutions du régime. Le fascisme est aujourd'hui individualisé, non seulement comme régime, mais aussi comme doctrine. Ce mot doit être interprété dans le sens qu'aujourd'hui le fascisme exerce sa critique sur lui-même et sur les autres, à son point de vue propre et distinct quant aux principes, et par conséquent quant à ses directives, pour tous les peuples du monde. Troisièmement, contre le pacifisme, la guerre et la vie comme devoir. Avant tout, le fascisme, en ce qui concerne d'une manière générale l'avenir et le développement de l'humanité, et abstraction faite de toute considération de politique actuelle, ne croit ni à la possibilité ni à l'utilité de la paix perpétuelle. Il repousse le pacifisme, qui cache une fuite devant la lutte et une lâcheté devant le sacrifice. La guerre seule porte au maximum de tension toutes les énergies humaines, et imprime une marque de noblesse aux peuples qui ont le courage de l'affronter. Toutes les autres épreuves ne sont que secondaires et ne placent jamais l'homme en face de lui-même, dans l'alternative de la vie et de la mort. Par conséquent, une doctrine basée sur le postulat de la paix n'est pas plus conforme au fascisme que ne le sont à l'esprit du fascisme, même si elles sont acceptées pour la part restreinte d'utilité qu'elles peuvent avoir dans des situations politiques déterminées, toutes les constructions internationales qui, l'histoire le démontre, sont emportées par le vent quand le sentiment, l'idéal ou l'intérêt suscitent la tempête dans le cœur des individus. L'orgueilleuse devise des formations d'assaut, Mene Frego, je m'en fous, écrite sur le pansement d'une blessure, n'est pas seulement une profession de philosophie stoïque et le résumé d'une doctrine purement politique. C'est l'entraînement à la lutte, l'acceptation des risques qu'elle comporte. C'est un style nouveau de vie italienne. C'est pourquoi le fascisme accepte et aime la vie, ignore le suicide et y voit une lâcheté. C'est pourquoi il comprend la vie comme un devoir, une élévation, une conquête. La vie doit être haute et pleine, vécue pour elle-même, mais surtout pour les autres, proches et lointains, présents et futurs. Quatrièmement, la politique démographique est notre prochain. La politique démographique du régime est la conséquence de ces prémices. Le fasciste aime son prochain, mais ce prochain n'est pas pour lui une idée vague et insaisissable. L'amour du prochain ne supprime ni les sévérités éducatrices nécessaires, ni, à plus forte raison, les distinctions et les distances. Le fasciste repousse les embrassements universels et, tout en vivant dans la communauté des peuples civilisés, les regarde dans les yeux avec attention et défiance. Les suit dans leurs états d'âme et dans l'évolution de leurs intérêts. Ils ne se laissent pas duper par des apparences changeantes et trompeuses. Cinquièmement, contre le matérialisme historique et la lutte de classe. Une telle conception de la vie fait du fascisme la négation absolue de cette doctrine, qui constitue à la base du socialisme pseudo-scientifique ou marxiste la doctrine du matérialisme historique, selon lequel l'histoire de la civilisation humaine ne s'expliquerait que par les luttes d'intérêts entre les différents groupes sociaux et par la transformation des moyens et instruments de production. Personne ne songe à nier que les faits économiques, découvertes de matières premières, nouvelles méthodes de travail, inventions scientifiques, aient leur importance. Mais prétendre qu'ils suffisent à expliquer l'histoire humaine à l'exclusion de tous les autres facteurs, est une absurdité. Le fascisme croit encore et toujours à la sainteté et à l'héroïsme, c'est-à-dire aux actions dans lesquelles n'agit aucun motif économique, proche ou lointain. La négation du matérialisme historique, d'après lequel les hommes ne seraient dans l'histoire que des figurants qui apparaissent et disparaissent à la surface, alors que dans les profondeurs, S'agitent et travaillent les véritables forces directrices, conduite à la négation de la lutte des classes permanente et inéluctable, conséquence naturelle de cette conception économique de l'histoire, et surtout à la négation de la lutte des classes considérées comme facteur prépondérant des transformations sociales. Une fois qu'on a frappé le socialisme dans ses deux principes fondamentaux de sa doctrine, il n'en reste plus que l'aspiration sentimentale, vieille comme l'humanité à un régime social dans lequel doivent être soulagées les souffrances et les douleurs des plus humbles. Mais ici, le fascisme repousse l'idée du bonheur économique, qui se réaliserait socialement et presque automatiquement à un moment donné de l'évolution de l'économie, en assurant à tous le maximum de bien-être. Le fascisme rejette la conception matérialiste d'un bonheur possible et l'abandonne aux économistes de la première moitié du XVIIIe siècle. Et il nie par suite l'équation bien-être égale bonheur, qui transformerait les hommes en animaux, ne pensant qu'à une seule chose être nourri et engraissé, c'est-à-dire réduit à une vie purement et simplement végétative. Sixièmement, contre les idéologies démocratiques. Après le socialisme, le fascisme bat en brèche tout l'ensemble des idéologies démocratiques et les repousse, tant dans leurs prémices théoriques, que dans leurs applications pratiques. Le fascisme nie que le nombre, par le seul fait d'être le nombre, puisse diriger la société humaine. Il nie que ce nombre puisse gouverner au moyen d'une consultation périodique. Il affirme l'inégalité irrémédiable, féconde et bienfaisante des hommes, qui ne peuvent devenir égaux par un fait mécanique et extrinsèque tel que le suffrage universel. On peut définir ainsi les régimes démocratiques. Ceux dans lesquels on donne de temps en temps au peuple l'illusion d'être souverain, alors que la souveraineté véritable et effective réside en d'autres forces, parfois irresponsables et secrètes. La démocratie est un régime sans roi, mais avec de très nombreux rois parfois plus exclusifs, plus tyranniques et plus ruineux qu'un seul roi qui serait un tyran. Cela explique pourquoi le fascisme, tout en ayant avant 1922, pour des raisons de contingence, manifesté des tendances républicaines y a renoncé avant la marche sur rome convaincu que la question des formes politiques d'un état n'est pas aujourd'hui essentielle et que l'étude des monarchies passées et présentes des républiques passées et présentes démontre que monarchie et république ne doivent pas être jugées sub specie eternitatis, mais représentent des formes dans lesquelles se manifeste l'évolution politique l'histoire la tradition la psychologie d'un pays déterminé Or, le fascisme s'élève au-dessus de l'antithèse monarchie-république, sur laquelle la démocratie s'est attardée, en chargeant la première de toutes les insuffisances et en présentant la seconde comme un régime de perfection, alors qu'on a vu des républiques profondément réactionnaires et absolutistes, et des monarchies admettant les expériences politiques et sociales les plus hardies. Septièmement, les mensonges de la démocratie. La raison, la science, disait Renan, qui eut des éclairs préfascistes, dans un de ses dialogues philosophiques, sont des produits de l'humanité. Mais vouloir la raison directement pour le peuple et par le peuple est chimérique. Il n'est pas nécessaire, pour la pleine existence de la raison, que le monde entier l'aperçoive. En tout cas, une telle initiation, si elle devait se faire, ne se ferait pas par la basse démocratie. Laquelle semble devoir amener au contraire l'extinction de toute culture difficile et de toute haute discipline. Le principe que la société n'existe que pour le bien-être et la liberté des individus qui la composent ne paraît pas conforme au plan de la nature, plans où l'espèce seule est prise en considération et où l'individu semble sacrifié. Il est fort à craindre que le dernier mot de la démocratie, ainsi entendu, je me hâte de dire qu'on peut l'entendre autrement ne soit un état social où une masse dégénérée n'aurait d'autre souci que de goûter les plaisirs ignobles de l'homme vulgaire. Ainsi parle Renan. Le fascisme repousse, dans la démocratie, l'absurde mensonge conventionnel de l'égalité politique, l'esprit d'irresponsabilité collective et le mythe du bonheur et du progrès indéfini. Mais si la démocratie peut être entendue différemment, c'est-à-dire si démocratie signifie ne pas refouler le peuple en marge de l'État, le fascisme a pu être défini par l'auteur de ce livre démocratie organisée, centralisée, autoritaire. Huitièmement, contre les doctrines libérales. Vis-à-vis -vis des doctrines libérales, le fascisme est dans un état d'opposition absolue, et dans le domaine politique et dans le domaine économique. Il ne faut pas exagérer, pour de simples raisons de polémique actuelle, l'importance du libéralisme au siècle dernier. Et alors qu'il ne fut qu'une des nombreuses doctrines écloses en ce siècle, en faire une religion de l'humanité pour tous les temps présents et futurs. Le libéralisme n'eut que 15 ans de faveur. Il naquit en 1830 par réaction contre la Sainte Alliance qui voulait ramener l'Europe au régime antérieur à 1789. Et il eut son année de splendeur en 1848 quand Pinoff lui-même fut libéral. Aussitôt après commença la décadence. Si 1848 fut une année de lumière et de poésie, 1849 fut une année de ténèbres et de tragédie. La République romaine fut tuée par une autre République, la République française. La même année, Marx lançait l'évangile de la religion socialiste dans son fameux Manifeste des communistes. En 1851, Napoléon III fait son coup d'État antilibéral et règne sur la France jusqu'en 1870. Il fut renversé par un mouvement populaire. À la suite d'une des plus grandes défaites militaires qu'enregistre l'histoire, le vainqueur fut Bismarck, qui ignora toujours la religion de la liberté et ses prophètes. Il est symptomatique qu'un peuple de haute civilisation, comme le peuple allemand, ait complètement ignoré pendant tout le XIXe siècle la religion de la liberté. Il n'y eut qu'une parenthèse représentée par ce qui a été nommé le ridicule Parlement de Francfort, qui dura une saison. L'Allemagne a réalisé son unité nationale en dehors du libéralisme, contre le libéralisme, doctrine qui semble étrangère à l'esprit allemand, esprit essentiellement monarchique, alors que le libéralisme est l'antichambre historique et logique de l'anarchie. Les étapes de l'unité allemande sont les trois guerres de 1864, de 1866 et de 1870, conduites par des libéraux comme Moltke et Bismarck. Quant à l'unité italienne, le libéralisme y a eu une part inférieure à l'apport de Mazzini et de Garibaldi, qui n'étaient pas libéraux. Sans l'intervention de l'antilibéral Napoléon, nous n'aurions pas eu la Lombardie, et sans l'aide de l'antilibéral Bismarck à Sadoa et à Sedan, il est très probable que nous n'aurions pas eu Venise en 1866, et qu'en 1870, nous ne serions pas entrés dans Rome. Pendant la période 1870-1915, les prêtres même du nouveau credo accusent le crépuscule de leur religion. Elle est battue en brèche, en littérature, par le décadentisme et dans la pratique par l'activisme. Activisme, c'est-à-dire nationalisme, futurisme, fascisme. Le siècle libéral, après avoir accumulé une infinité de nœuds gordiens, cherche à les défaire par l'hécatombe de la guerre mondiale. Mais aucune religion n'impose un sacrifice si terrible. Les dieux du libéralisme avaient-ils soif de sang Maintenant, le libéralisme est sur le point de fermer les portes de ses temples déserts, car les peuples sentent que son agnosticisme en matière économique, son indifférentisme en matière politique et morale, amènerait, comme cela s'est déjà produit, une ruine certaine des États. C'est pourquoi toutes les expériences politiques du monde contemporain sont antilibérales, et il est suprêmement ridicule de vouloir les classer hors de l'histoire. Comme si l'histoire était une chasse réservée au libéralisme et aux professeurs. Comme si le libéralisme était le mot suprême et incomparable de la civilisation. Neuvièmement, le fascisme ne revient pas en arrière. Les négations fascistes du socialisme, de la démocratie, du libéralisme ne doivent cependant pas faire croire que le fascisme entend ramener le monde à ce qu'il était avant 1789. Date qui est considérée comme l'année d'inauguration du siècle démo libéral. On ne revient pas en arrière. La doctrine fasciste n'a pas choisi de maître pour prophète. L'absolutisme monarchique a fait son temps, au même titre que l'ecclésiolâtrie, que les privilèges féodaux ou les castes fermées à cloisons étanches. L'idée fasciste d'autorité n'a rien à voir avec l'état policier. Un parti qui gouverne une nation totalitairement est un fait nouveau dans l'histoire. Les rapprochements et les comparaisons sont impossibles. Des décombres des doctrines libérales, socialistes, démocratiques, le fascisme extrait les éléments qui ont une valeur vitale. Il conserve ce que l'on pourrait appeler les faits acquis de l'histoire, et il rejette tout le reste, c'est-à-dire la conception d'une doctrine bonne pour tous les temps et pour tous les peuples. En admettant que le XIXe siècle ait été le siècle du socialisme, du libéralisme, de la démocratie, il n'est pas dit que le XXe siècle doive être également le siècle du socialisme, du libéralisme et de la démocratie. Les doctrines politiques passent, les peuples restent. On peut penser que le siècle actuel est le siècle de l'autorité, de droite, un siècle fasciste, et que si le 19e siècle a été le siècle de l'individu, libéralisme signifie individualisme, on peut penser que le siècle actuel est le siècle collectif, et par conséquent le siècle de l'État. Il est parfaitement logique qu'une nouvelle doctrine puisse utiliser les éléments encore vitaux d'autres doctrines. Aucune doctrine ne peut prétendre à une originalité absolue. Elle est liée, ne fût-ce qu'historiquement, aux autres doctrines passées, aux autres doctrines à venir. C'est ainsi que le socialisme de Marx est lié au socialisme utopiste des Fourier, des Owen, des Saint-Simon. C'est ainsi que le libéralisme du XIXe siècle se rattache à tout le mouvement des Illuminés du XVIIIe siècle et que les doctrines démocratiques sont liées à l'encyclopédie. Toute doctrine tente à diriger l'activité des hommes vers un objectif déterminé. Mais l'activité des hommes réagit sur la doctrine, la transforme, l'adapte aux nécessités nouvelles ou les dépasse. La doctrine elle-même doit donc être non un exercice verbal, mais un acte de vie. De là le caractère pragmatique du fascisme, sa volonté de puissance, sa volonté d'exister, sa position à l'égard du fait violence et de sa valeur. Dixièmement, valeurs et missions de l'État. Le principe essentiel de la doctrine fasciste est la conception de l'État, de son essence, de son rôle, de ses fins. Pour le fascisme, l'État est l'absolu devant lequel les individus et les groupes ne sont que le relatif. Individus et groupes ne sont concevables que dans l'État. L'État libéral ne dirige pas le jeu et le développement matériel et spirituel des collectivités, mais se limite à enregistrer les résultats. L'État fasciste est conscient, il a une volonté, et c'est pourquoi il est qualifié d'État éthique. En 1929, je disais à la première assemblée quinquennale du régime, pour le fascisme, l'État n'est pas le veilleur de nuit qui ne s'occupe que de la sécurité personnelle des citoyens. Ce n'est pas non plus une organisation à fin purement matérielle, comme celle de garantir un certain bien-être et des rapports sociaux relativement pacifiques, auquel cas un conseil d'administration suffirait. Ce n'est pas non plus une création de politique pure, sans contact avec la réalité matérielle et complexe de la vie des individus et de celle des peuples. L'État tel que le fascisme le conçoit et le réalise est un fait spirituel et moral, car il concrète l'organisation politique, juridique et économique de la nation. Et cette organisation, dans sa genèse et dans son développement, est une manifestation de l'esprit. L'État est le garant de la sécurité intérieure et extérieure, mais il est aussi le gardien et le transmetteur de l'esprit du peuple, tel qu'il s'est formé au cours des siècles dans la langue, dans les coutumes et dans la foi. L'État n'est pas seulement le présent, mais aussi le passé et surtout l'avenir. C'est l'État qui, dépassant les étroites limites des vies individuelles, représente la conscience immanente de la nation. Les formes sous lesquelles se manifestent les États changent, mais la nécessité demeure. C'est l'État qui forme les individus aux vertus civiques, les rend conscients de leur mission, les amène à l'unité. Il harmonise leurs intérêts dans la justice. Il transmet les conquêtes de la pensée dans le domaine des sciences, des arts, du droit et de la solidarité humaine. Il élève les hommes de la vie élémentaire de la tribu à la plus haute expression humaine de puissance, qui est l'Empire. Il transmet à travers les siècles le nom de ceux qui moururent pour son intégrité ou pour obéir à ses lois. Il donne en exemple et recommande aux générations futures les capitaines qui ont accru son territoire et les génies qui l'ont auréolé de gloire. Quand le sens de l'État s'affaiblit et que prévalent les tendances dissolvantes et centrifuges des individus ou des groupes, les nations marchent à leur déclin. Onzièmement, L'unité de l'État et les contradictions du capitalisme Depuis 1919, l'évolution économique et politique universelle a encore renforcé cette position doctrinale. L'État est devenu un géant. C'est l'État qui peut résoudre les contradictions dramatiques du capitalisme. Ce qu'on appelle la crise ne peut être résolu que par l'État et dans l'État. Où sont les ombres des Jules Simon qui, à l'aube du libéralisme, proclamaient que l'État doit travailler à se rendre inutile et à préparer sa démission Où sont les ombres des McCulloch qui, dans la seconde moitié du siècle dernier, affirmaient que l'État doit se garder de trop gouverner Et que dirait, en présence des interventions continuelles, sollicitées et inévitables de l'État dans les affaires économiques, l'anglais Bentham selon lequel l'industrie n'aurait pu demander à l'État que de lui laisser la paix, ou l'allemand Humboldt, d'après lequel l'État oisif doit être considéré comme le meilleur Il est vrai que la seconde génération des économistes libéraux fut moins extrémiste que la première, et que Smith lui-même ouvrait la porte, bien que prudemment, aux interventions de l'État dans le domaine économique. Si libéralisme veut dire individu, le fascisme signifie État. Mais l'État fasciste est unique et c'est une création originale. Il n'est pas réactionnaire mais révolutionnaire en ce sens qu'il devance la solution de certains problèmes universels posés d'ailleurs dans le domaine politique par le fractionnement des partis, par les abus de pouvoir du parlementarisme, par l'irresponsabilité des assemblées dans le domaine économique, par les fonctions syndicales toujours plus nombreuses et plus puissantes tant du côté ouvrier que du côté patronal à la fois par leurs conflits et leurs ententes, dans le domaine moral, par la nécessité de l'ordre, de la discipline, de l'obéissance aux règles morales de la patrie. Le fascisme veut que l'État soit fort, organisé, et qu'il repose en même temps sur une large base populaire. L'État fasciste a également revendiqué pour lui le domaine de l'économie, et par les institutions corporatives, sociales, éducatives qu'il a créées, le sens de l'État arrive jusqu'aux ramifications extrêmes du pays, et dans l'État circulent, encadrés dans leurs organisations respectives, toutes les forces politiques, économiques et spirituelles de la nation. Un État qui s'appuie sur des millions d'individus qui le reconnaissent, le sentent et sont prêts à le servir n'est pas l'État tyrannique du seigneur du Moyen Âge. Il n'a rien de commun avec les États absolutistes d'avant ou d'après 1789. L'individu dans l'État fasciste n'est pas annulé, mais bien plutôt multiplié. De même que dans un régiment, un soldat n'est pas diminué, mais multiplié par le nombre de ses compagnons d'armes. L'État fasciste organise la nation, mais il laisse cependant aux individus une marge suffisante. Il a limité les libertés inutiles ou nuisibles. Mais il a conservé les libertés essentielles. Dans ce domaine, l'État seul est juge et non l'individu. Douzièmement, l'État fasciste et la religion. L'État fasciste ne reste indifférent ni en face du fait religieux en général, ni en face de cette religion positive particulière qu'est le catholicisme italien. L'État n'a pas une théologie, mais il a une morale. Dans l'État fasciste, la religion est considérée comme une des manifestations les plus profondes de l'esprit, et en conséquence, elle est non seulement respectée, mais aussi défendue et protégée. L'État fasciste ne se crée pas un dieu particulier comme Robespierre a voulu le faire un jour, dans l'extrême délire de la Convention. Il ne cherche pas non plus vainement à l'effacer des âmes, ainsi que le bolchevisme. Le fascisme respecte le dieu des ascètes, des saints, des héros, et même le dieu qui voit et prie le cœur ingénu et primitif du peuple. Treizièmement, empire et discipline. L'état fasciste est une volonté de puissance et de domination. La tradition romaine est ici une idée de force. Dans la doctrine du fascisme, l'empire n'est pas seulement une expression territoriale, militaire ou marchande, mais spirituelle et morale. On peut concevoir un empire c'est-à-dire une nation qui, directement ou indirectement, guide d'autres nations, sans que la conquête d'un kilomètre carré de territoire soit nécessaire. Pour le fascisme, l'aspiration à l'empire, c'est-à-dire à, à l'expansion des nations, est une manifestation de vitalité. Son contraire, l'esprit casanier, est un signe de décadence. Les peuples qui naissent ou qui ressuscitent sont impérialistes. Les peuples qui meurent sont des renonciateurs. Le fascisme est la doctrine la plus apte à représenter les tendances, les états d'âme d'un peuple qui, comme le peuple italien, ressuscite après de longs siècles d'abandon ou de servitude étrangère. Mais l'Empire exige la discipline, la coordination des efforts, le devoir et le sacrifice. Et cela explique de nombreux aspects de l'action pratique du régime. La direction imprimée aux forces multiples de l'État et la sévérité nécessaire contre ceux qui voudraient s'opposer à ce mouvement spontané et fatal de l'Italie du XXe siècle, et s'y opposer en agitant les idéologies périmées du XIXe siècle, idéologies répudiées partout où l'on a osé de grandes expériences de transformation politique et sociale. En ce moment plus que jamais, les peuples ont soif d'autorité, de direction et d'ordre. Si chaque siècle a sa doctrine, Mille indices montrent que celle du siècle présent est le fascisme. Le fascisme est une doctrine de vie, car il a suscité une foi. Et cette foi a conquis les âmes, car le fascisme a eu ses morts et ses martyrs. Le fascisme a désormais dans le monde entier l'universalité qu'ont toutes les doctrines qui, en se réalisant, représentent une époque dans l'histoire de l'esprit humain.